La soie est produite par des petites glandes qui se trouvent à l'intérieur de l'abdomen. Il y a plusieurs foyers de production. Alors au départ, la soie se présente sous forme liquide et elle s'écoule par des petits conduits jusqu'aux filières. Là aussi, il y en a plusieurs, de 2 à 6, tout dépend de l'espèce d'araignée. Et ce n'est qu'une fois à l'air libre que la soie va se durcir. Les filaments, qui sont évacués par des microtubes au niveau de chaque filière, sont alors assemblés par l'araignée pour constituer un fil de soie dont la composition varie en fonction de l'usage que l'araignée en fait. En effet, l'araignée n'associe pas les mêmes filaments suivant qu'elle tisse sa toile, un cocon ou un fil de sécurité.